Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 2. J'espère que vous allez bien. Nous allons activer les miasmes d'éther avec Rock. Déclencher les tornades, succès. Et profiter de la suite de cette aventure. Wow, t'as fait ça en un rien de temps. J'avais bien dit que c'était facile. Merci Rock. Rock. Dis-moi. Mon précédent pilote. Tu veux dire Van Damme? Oui, Van Damme. Quel genre d'homme c'était? C'était une montagne de muscles. Intimidant au premier abord, mais très gentil. Et il m'a sauvé la vie. Si on est tous ici aujourd'hui, c'est grâce à Van Damme. Je vois. Dans ce cas, j'ai aussi le devoir de tous vous protéger. Hein? Pour respecter du mieux possible les dernières volontés de mon pilote. C'est selon moi la voie qui convient le mieux à une lame. Rock. Est-ce que Rock serait présent dans Xenoblade Chronicles 3? Ce serait incroyable. Avec Van Damme, justement. Nous allons équiper Rock, si ce n'est pas fait. Je pense que ce n'est pas fait. Ah si. C'est qui est... Ok, ça a dégagé lui. Parfait. Ça a dégagé celui du vent. Donc honnêtement, c'est très très bien. On va faire un petit combat, ça fait longtemps. Le précédent c'était les piafs quoi. Sans vous dire que ça n'a pas été ça a pas fait grand chose. Et puis avant ça c'était tout simplement le combat avec Mithra. Donc ça commence à dater. Et j'aimerais tester Rock, voir ce qu'il fait. Ah d'ailleurs il peut venir plus rapidement que l'autre. Il fait quoi? Bonus 6 PV faible, PV esquive. Et rend des PV et commotion. Bam, pas mal. Crevasse et ça, bonus 6 PV faible, ok. Alors on va faire crevasse. Hein. J'ai pas la foudre derrière. Ça va lui faire le feu. De toute façon, ça ne changera rien. On va juste voir parce que on peut le faire. Pas mal. Mais c'est un temps plus, non? Non, c'est un dégât. C'est un dégât, on a dit. Enfin, on a dit, non, c'est... C'est un DPS, puisque... comment il s'appelle? Van Damme était un assassin, un attaquant. Donc, a priori, ça paraît logique. Il a pas changé de spécialité en plein milieu. Ok, c'est là, a priori. Repère des brigands. Bah tiens, on va en avoir un, là, de combat. Nous sommes les méchants. Méchants, méchants, méchants. Bon, on fait quoi? Ils sont nombreux et ils ont des lames. Bah nous aussi, et on est plus forts. Pas le temps d'élaborer un plan compliqué. T'en fais pas, ils ne feront pas le poids. Je savais que tu allais dire ça. Attention, je ne dis pas que tu as tort. Souvenez-vous qu'on n'est pas ici pour les tuer, alors ne vous emballez pas. Rex ne veut pas venger village? Il y a plusieurs façons de le faire, non? Écoute, si tu le dis. Understood. Compris. Tu les envoies croupir en prison, c'est quand même un petit peu plus... Un châtiment un peu plus... long, quoi. Posez vos armes, on vous... blablabla. C'est qui ces minables? On n'est pas là pour jouer les nourrices? Attendez, ce sont des pilotes et leurs lames. J'ai compris, c'est la ville qui vous a engagé. À ton avis. Ah, et comment vous avez trouvé notre... En fait, on s'en fiche. Hey les gars, massacrons ces morveux avec vos lames génériques et serviront d'exemple. Ouais. Tintin, ça me rappelle Olberic dans Octopath Travelers. Les brigands en mode on va les tuer et puis Olberic tout seul, bam. Bon là il est pas tout seul. Il a l'Aegis, mais quand même. You le cerveau. You le cerveau. J'ai du mal à y croire.
Et c'est la chute. S'il tombe, c'est la chute. S'il chute... S'il tombe, c'est la chute. S'il chute, c'est la mort. Et si c'est la mort, c'est la tombe. Bon, je suis en mêlée. De toute façon, on s'en fout. Parce que c'est de la caille. Paf. Bombe de vapeur. Et derrière, j'ai pas de glace. Alors que feu, j'ai pas les trucs non plus d'un côté. Alors que je pourrais recharger le feu peut-être. Paf, paf, on va faire ça. On va faire venir Rock. Pour charger lui. On va faire commotion. Pourquoi je suis mort? Allô? Merci. Pourquoi je suis mort? What the fuck? Pas pourquoi je suis mort. Ils sont niveau 24. C'est scandaleux. Focusing on target, ouais. Je vais avoir le temps là, Pyra ou pas? Je devrais. Hop. Ouais. Explosion de vapeur. À peine arrivé. Bam. 14 000 dans ta tronche. On va faire roche. Paf. Après la crevasse, ça ne marche pas. Bah, lui, le cerveau n'a pas fonctionné. On va tuer lui du coup. Jo la menace. C'est Jo la menace. On va faire gravité. Paf. Il a tout esquivé là, dans Foros. Elle peut faire obsession et lui pourra faire météore. Putain, il loupe tout. Alors on peut faire super gravité aussi. Ok. Paf. Il est énervé. Ouais, merde. Ah merde, il est à la terre aussi. Quoi, un peu choc, ça n'a pas fonctionné. Merde. Elle prend hyper cher. Pourquoi c'est elle qui prend l'aggro? Tora, fais quelque chose. Tintin. Paf. Tora prend l'aggro un peu. Ah mais c'est parce qu'elle a une tank, elle, je crois. Eh oui, elle a un truc de tank. Eh oui. Paf, paf. Ah mais il arrête de m'esquiver, lui. Là, on a un 4. On va l'éclater un petit coup. Bam. Ok. Hop, on va faire... Donc le shot. Bombe de vapeur, c'est cool. Ok, lui, il est dégagé. On va faire le petit tourbillon. Paf. Déséquilibre. Derrière, faut faire un retourbillon. Enfin, faut faire tornade, quoi. Ok, ça devrait aller. De l'autre côté, il n'y a pas... Ça n'a pas chargé encore, les autres trucs. Ça met du temps à charger, hein. On va plutôt faire ça. Et tant pis. Paf, paf. Lui le cerveau. Franchement. Ça, c'est du non. Et ça dégage. Ok. Bam. On a eu les cœurs cristaux. Enfin, les cristaux cœur. Cristaux cœur. Cœur cristal. Bon, on leur a donné une bonne raclée. On fait quoi maintenant? Ben voilà, il y a les soldats qui vont arriver. Ah, juste à l'heure. Oh, j'ai compris. C'est pour ça que tu as dit aux enfants de les faire venir ici. Ce n'est pas tout qu'ils doivent rendre compte, vous suivez? Ben oui. Laissez les autorités décider de leur destin. C'est une sage décision. Je crois qu'on fera mieux d'y aller. Yep. On n'a pas besoin d'être là à l'arrivée des gardes. En route. Bien dit. Allons-y. Alors, j'espère qu'il y a un autre chemin pour descendre, parce que sinon on va les croiser, ils vont faire... Vous n'étiez pas recherchés, vous?
C'est pas vous qui avez foutu le boxon en bas la dernière fois? Non, non, c'est pas nous. Bah, bonne journée alors. Alors tu vois, compte tenu des événements, tu peux être clément. N'arrive pas à te dire non, Rex. Et en effet, tout n'a pas été facile pour ces gamins. Tu en penses quoi? Eh bien, à mon avis, Rex est sauf. Tiens, j'ai une idée. Pourquoi ne pas les faire travailler pour la guilde et rembourser leurs dettes? Que quoi? C'est vaurien. Tu me suggères d'en faire des récupérateurs? Je crois qu'ils ont du potentiel. Ils ont des petits doigts agiles, non? Allez, reconnais que c'est une bonne idée. Ce sont que les orphelins sans logis. Tu vas vraiment leur refuser ton aide? Tu sais comment forcer la main. C'est d'accord, je vais les aider. Je vais régler les détails avec Pipeline. Pour le moment, je vous offre le gîte et le couvert. Si vous voulez être payé, il va falloir le mériter. Vous avez entendu? J'espère que ça vous va. Alors c'est réglé. Faites de votre mieux. Petit chenapan, va. Nous voilà enfin prêts à partir pour Mor Ardain. La caméra! Ce fut un détour pour le moins éreintant. Maître Pone sûrement déjà oublié où est amarré vaisseau. T'auras souvent parfaitement, c'est à niveau 10. 10 est plus du double de niveau max de Goldmouth. Ce quatrième niveau, au point d'envol de Goldmouth pourrait passer. Bien, on y va alors. Fais attention à tes affaires, Rex. Je sais. Alors toi, on t'a vu au premier plan. C'était pas... Ah, Crystal Cœur bestial, on peut le faire. C'est le premier Crystal Cœur qu'on avait... éveillé. Ah non, je voulais pas passer la vidéo! Non! Bah tant pis. Ulfric, c'est toujours Ulfric. Et c'est un attaquant de terre. Alors non, on va pas la signer. Parce que l'ombre est pas mal. D'un autre côté, j'ai... Ah, quoique... Est-ce que l'ombre est bien? D'un autre côté, elle a l'ombre aussi. Est-ce que c'est mieux que l'ombre ou Ulfric? Je ne sais pas. Agathe, ouais. Ah, mais ils ont dû finir leur... Non. Leur truc mercenaire, non. Eh oui, fervent justifié. Et t'es pas blague. Merci d'avoir aidé. Ami Pont est super justifié. Tchac. Ok. Argentum. Nippon au fin. Humanoïde. La grue de récupération du port est en panne, on ne peut pas travailler sans. Ah, mais ça, c'était une quête. Ah, bah on va la faire. Humanoïde. Il me faut des humanoïdes, donc. Donc, en gros, il me faut ça. Et ça. Ok. Alors, on va mettre 4. Brigade Brise-Boss. Brise-Boss. On est d'accord, elle est complètement à poil, non? C'est ses cheveux qui cassent ses seins, mais elle est à poil. Hein. Très bien. Oh là là. C'est où? C'est par là. Paf. Point là. Il faut remonter. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Paf. Alors ça ne sert à rien de sauter. On ne va pas plus vite. Au contraire même. Taf. Contrairement à Xenoblade Chronicles X. Amipon finit ce qu'Amipon devait finir après apprendre le bateau pour Mor Ardain. Yup. Largué à mer. Mais il est tout mignon ce vaisseau. C'est un Kirby blanc. Tintintintintin. Mor Ardain.
Yep. Empire de Morardane. Enfin, nous y sommes. Fait du bien de repasser pattes sur terre ferme. Reposer, pardon. Le voyage a été long. Poppy pensait qu'Empire serait un endroit plus vivant que ça. C'est parce que nous sommes dans un petit port à l'écart de la capitale. Il ne reste alors plus qu'à rejoindre la capitale. D'après ce que j'ai entendu dire, il suffit de tourner à droite en sortant du port et d'aller tout droit. Alors que ça ne devait pas être trop loin. Restons tout de même sur le garde, nous sommes en terre inconnue. Oui, il vaudrait mieux se préparer avant d'y aller. Port Anagam. Il y a un nouvel étage à Doki Doki. D'ailleurs. Pourquoi j'ai dit Doki Doki, je ne sais pas. Ça brille vachement plus que des torches. Dirigez-vous vers la capitale de Morardane. Paf, paf, paf. C'est par là-bas, à droite, et puis après tout droit. Absolument. Tu as eu tes bonnes informations, Rex. La version de nuit de Morardane. La version de jour est bien plus sympa. Même si la version de nuit, on reconnaît l'air. Restez concentré quand vous utilisez cette machine. Ah oui, ça a l'air très compliqué. Et hop, nous y sommes. Presque. Gromark, tu as le flair. Alors c'est ça la capitale impériale. Une ville énorme. Peut-être il y a un magasin pièce d'occasion rare pour Amelio Poppy. Allons voir. Maître Pont, Poppy préfère pièces neuves si possible. Mais. Toi, Tora. T'as vu Tora depuis longtemps. Se rappelle de Mui Mui. Hein? Pourquoi vieux Nopon connaît le nom de Tora? Oh, Tora se rappelle pas de Mui Mui. Moi, Mui Mui. Mui Mui, assistant du professeur Chouchou. Papipon de Tora. Ta 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 ta. Ils étaient trois. Moui moui. Oh, toi vieux moui moui moui. Moui moui. Bien sûr, toi se rappelle. Moui moui aurait dû dire au début. C'est ce qu'il a dit. Mais moui moui a dit. Ah oui, moui moui pas très intéressant. Alors Tora a oublié que moui moui existait. Tora, ce n'est pas très gentil. Lol. Non, non, moui moui pas fâché avec Tora. Tora très jeune à l'époque. Normal qu'il ait oublié. Et puis Maître Pont est très distrait en ce moment. Il cherche un moyen d'améliorer Poppy. Est possible de l'améliorer? Poppy ressemble à l'âme artificielle. Mui raison. T'auras beaucoup étudié plan de Papy Pont et Papa Pont. Et a fini construction. Mais. Fantastique. C'est seulement professeur Chouchou encore là pour voir fruit de dur labeur. Mui Mui, c'est où Papa Pont parti? Ce jour-là, qu'un laboratoire attaqué. Mui Mui parti faire une course. Quand revenu professeur Sousou, tout mort sur le toit, sur le sol. Hein? Mais aucune trace de professeur Tatasso. Tora comprend. Même Mui Mui sait pas.
Sois pas triste, Maître Pon. On retrouvera Papa Pon un jour. Même si Poppy a aucune preuve pour soutenir l'hypothèse. Lol. Bref, Mouimou est désolé de vous déranger quand vous juste arrivez en ville. Ami de Mouimoui, tiens une auberge un peu plus haut. Célèbre source thermale dedans. Si Tora veut, Mouimoui peut essayer d'avoir restourne. Tora adore Mouimoui. Oh les nopons quoi, je vous jure. Cette boule de poil ingrate quoi. Bon c'est qui lui, c'est Papa Pon. Est-ce que ça serait pas Papa Pon? Bon, en tout cas, Mouimoui, il sent le roussi. Hein. Je vous le dis très clairement. Je ne me rappelle plus, mais j'ai des mauvaises vibrations. Je sais pas, c'est la voix. C'est le chara-design. C'est les intérêts potentiels. Ça ne m'inspire pas confiance. Et bienvenue à l'auberge Jacolo. Que puis-je pour vous? Êtes-vous le groupe de Tora? Ah parfait, Mouimoui a mentionné votre venue. Au fait, nous proposons un tarif spécial aujourd'hui. Reste à l'auberge pour 100 gold. Ça coûte une blinde. Notre bassin de plein air a fait la fierté de notre auberge, n'hésitez pas à en profiter. Nous n'hésiterons pas à en profiter. Ah, ça fait du bien. Source chaude est une bénédiction. Fait disparaître crampes de voyage. Attends. Tu es sûr que tu peux prendre un bain? Tu ne risques pas de rouiller? Aucun problème. Pièce de Poppy en alliage spécial. Rouille pas, pas besoin d'huile. T'auras à penser à tout, hein? Maître Pon est le meilleur créateur de la martielle du monde entier. Surtout le seul. Salut Para. Pira. Mais l'eau est trop bonne. C'est Mithra. Mithra? Tada! Je me la pète un peu. Comment elle nage? Il y a un problème? Je ne crois pas, mais... quel joli corps tu as. Merci. Quand je dis qu'il y avait une source chaude, Mithra a absolument voulu venir. C'est fou que ce soit la même doubleuse, elle fait un job de malade parce que on sent que c'est pas la même personnalité. Du coup, me voilà. Oui, passez la serviette. C'est peut-être intéressant pour vous. Comment Poupie de neige. Bon, je crois que je vais y aller. Nia, tu es... Eh bien... Oui. Tu veux que ça reste entre nous? J'aimerais bien, pour le moment. Compris. Ne t'en fais pas. Je me disais bien, c'est bizarre qu'elle ne le remarque pas. Merci. Mais si. Mais c'est fou parce que on a des petits indices et après on le sait, mais maintenant qu'on le sait, je me rappelle pas que c'était aussi intriguant. C'était mon premier bain depuis 500 ans, alors j'ai le droit d'en profiter un peu. Tu pétonnes. Tu peux changer quand tu veux. Avec Pyra? Bien sûr. Nos mémoires sont partagées, alors peu importe qui prend le contrôle. Ça a l'air pratique. Oui. Que se passe-t-il? Et qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ça ressemblait à une sorte de perturbation. On va voir ce que c'était. Oh. C'est quoi ce regard? C'est juste que je suis surpris de te voir. Tu préfères l'autre? C'est pas ce que je veux dire. Ah non, on préfère pas l'autre, non. C'est juste qu'on pensait un petit peu hostile à être présente en fait. Hey, dis, je peux te demander quelque chose? T'as besoin de ma permission?
C'est dommage, je te laisse comme ça pour le moment. Comme ça, je vais dire en Mithra. Je me suis réveillé il y a peu et tout ceci est nouveau pour toi. On doit tous les deux s'habituer à mon pouvoir. On a discuté entre nous. Le pouvoir de Mithra est plus grand que le mien, mais pas illimité. Il peut être délicat de l'utiliser dans des endroits confinés. Le mieux serait que tu t'habitues à l'utiliser dans différentes situations. Ça ne me dérange pas du tout. J'aimerais aussi en savoir plus sur toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois pas vraiment ce qui me distingue d'elle. Vraiment? Tu peux être beaucoup plus susceptible parfois. C'est juste ma personnalité. Tu attendais à quoi, juste? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce sourire? Je m'amuse bien ces temps-ci. Il s'est passé plein de choses depuis que je connais Pyra. Enfin, Pyra plutôt. Et maintenant, je t'ai aussi rencontré toi. Tout n'a pas été une partie de plaisir. Alors pourquoi ce sourire? Même un moment difficile peut être enrichissant. C'est bizarre? L'éternel optimiste. Parfois, papy s'énerve parce que je positif trop. Je dirais plutôt tout le temps. C'est vrai qu'il est dans... pas trop d'intimité avec le Gramps toujours dans... Ah, ça vient de là-bas? On dirait bien. Pam 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 pam. La formation du groupe a été modifiée, nous jouons avec Mithra. Tutoriel Pyra. Pyra a bien mérité un peu de repos après toutes ces péripéties. Profitons-en pour nous intéresser à Mithra. Mithra n'a pas à rougir à la comparaison avec Pyra, comme l'illustre son art spécial de niveau 4, flèche sacrée qui fait pleuvoir une lumière destructrice. Hashtag le Final Smash dans Smash. Prudent cependant, car cela signifie que cet art ne peut être utilisé que lorsque le ciel est visible. Gardez cela en mémoire. Ah. Mise à jour du système, seul Mithra est disponible actuellement. Elle est où? Ah, ben merci. Tintintintalatin. 27 minutes. Papalapin. Alors le problème, c'est que c'est à la bonne hauteur là. Donc reviendez. Ah, salut. Pilote 13. Let's show him a thing or three. Paf. Ah, you're done. You're done? Voilà, il le répétait en boucle. Think you can take me? Mais maintenant, il fait que you're done. Ils ont pas changé du coup. Vas-y. Mais il m'emmerde lui. Hop. On va faire. Mais j'ai pas. Mais j'ai pas. Je l'ai pas en feu là. Ça va pas être bon. Je vais pas faire feu. Hop. Paf, paf. Bon bah du coup il. On va lui faire un niveau 4 là. Il me fait chier avec son bouclier lui. Hein. Bam. Paf. Paf. Bam. Bon bah là il se fait éclater hein. Avec le machin comme on dit. Photon. Allez boum. On va aller voir ce que ça fait. Ray of Punishment. Ok, photon. Par contre elle le charge hyper rapidement. Déjà, on est déjà au niveau 2. Temps désastreux. Ah. Photon break. Et bam. Tellement stylé en doré comme ça. C'est couleur photon. Pin. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que c'est pas mal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao tout le monde.